Ne sortez pas du tricot maréchal. Tu tues l'homme. Demandez quelle est. Elle dit quoi? Quoi? Oui, toi bien. Si, tu es sorcier. Oh non, quel goût. Oh non, quel goût. Moi, il y a un béton dans quel goût. Ah, donc tu es venu pour quoi ici? Oh non, il y a un peu là. Là-bas. Eh, eh. Oh non, c'est le riz ou tu passes au céleri? Vous gagnez, vous venez payer. Oui. Alors, on fait en partie vite, vite. Ça nous mène, nous, c'est à 4 problèmes. Qui tue? Indra. Tu n'as jamais tué. Il y a un quadra. Oh non, il y a un quadra. Il y a un quadra. Doucement. Pourquoi est-ce que tu es ici? Oh le bon, il est là. Vous l'avez dit. 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 Vous l'avez Hélène, nous avons oublié, nous avons oublié. Vous comprenez ce qu'il a dit? Elle dit, lui on dit dans son village qu'elle est sorcière, qu'elle tue les gens. C'est pour ça qu'elle est venue. Maintenant, lui demande, c'est vrai ou c'est pas vrai? Elle répond pas. Elle ne peut plus répondre. Mais moi, il a bêté la manque de goût. Le goût, nous, écho. Ni quoi ils en ont là? Quoi? Olé, donc comment ils en ont là? Tu veux délivrer ou pas? On va nous au nous n'a rien ou bien quoi? On va na banque boire bien ou pas bien quoi? Quoi ils en ont là? Quoi? Hier nuit elle est tombée ici, brûle ici. Tu viens on fait pas sur ce délire. Oh le zoé me dit d'appeler dans un cas la coquille me dit d'aller. Si tu continues, tu vas tomber, ton pied s'est cassé. Ici, il faut bien marcher. On marche pas sur la tête. Ici, là, si tu changes, ici, si tu changes, tu vas tomber. Un copain qui est brillant. T'as compris? Noué. Tu veux quoi, être délivré ou pas? On va nous au trip, on va ou bien il est là. On s'en vient. Tu veux sa délivrance? Elle a quoi? Oh là, il est un cara. Ouais, délivré. Il est trop, on va nous au bout, on va bien aller. Il n'en a pas. Le courant qui est bon. Il est quoi? Il est la distraction. Il est bon, il est bon. 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 On est comme beauté ou c'est bon. Comme tu veux pas délivrer, tu vas partir chez toi. Oh là, n'a pas la sonne quand le combat. Oh, quoi, le yo, quoi, livré. Un livré. Elle a quand même délit. Je te délivre. Mais là, qu'est-ce que tu es temps? Ah! Chez nous, on dit ce qui n'est pas long, pas long. Tout près n'est pas loin. Oh, eux, ils veulent dans ça loin. Ça, c'est le prototype du sorcier. Ce qu'il va dire là, il veut distraire. Oh, elle est convaincue en âme et conscience parce qu'elle est sorcière, qu'elle est ici. Sinon, elle allait lutter pour ne pas être ici. Si n'est pas sorcière, elle sait que le prophète Crasso, c'est son travail. C'est pour ça qu'elle est ici. Le pasteur l'écoutait hier. Désolé. Elle a commencé à parler. Or, la seule chose qui va la délivrer, c'est les aveux en public. C'est trop fort pour la destruction des œuvres de la sorcellerie. Oh là, quand on continue pour les prières, à même le monde, qu'est-ce que ça va c'est fini.
Or c'est difficile. Parce que c'est un pacte. Ils ont tissé le diable. Le silence, il ne doit pas parler. Tu veux être délivré. Délivrance n'est pas facile. Hein? Jésus pour nous délivrer la fin de sa vie. Elle a coupé son enfant. Il y a un héros bien, une fille. Moi, le gâteau, c'est sa première fille. Tu l'as mangé comment? Il y a ça, il dit le doigt là. Faut dire en train de parler maintenant. Oh non, pas, mais bête, n'a pas vu fou ça. Avant d'arriver ici, elle a tué sa nièce. Elle s'en s'est mis. Du coup, elle est partie là. Mais vous faites ça toujours. Ok. Là, toi, tu es qui pour elle? C'est Sam. Hein, tu es? Sam. Qui? Sam. Toi, son fils. Je ne sais pas qui est un gars qui s'appelle comme ça. Je ne sais pas qui est. La vie, si c'est vrai, c'est toi qui as tué, elle a nié. Après, le corps dit qu'elle a attaché d'autres personnes dans le village. Dans les jeux, c'est 15 personnes. Bon, nous on ne croit pas après les sorciers dans cela. Ce n'est pas notre domaine. Nous on est chrétiens. On est chrétiens, donc on ne va pas se baser sur les sorciers qui apprennent les gens. Non. Ça c'est une pratique de fétichisme qui n'a rien à voir avec le christianisme. On n'est pas dedans. La vieille est sorcière. Ok. On va l'aider. C'est tout. C'est sorcière. Ok, maintenant tu le connais bien. Elle dit quoi? Et c'est maintenant qu'elle le connaît. On les connaît. Maintenant qu'elle reconnaît, qu'est-ce qu'elle veut? Alors, il y a un bâtard bella, il y a un bonheur, nous fou là. Au libre. Au délivré. Pas libre. Amène-moi ça bien. Il y a des gens qui ont été là. Non, drôle. Pas, moi, je dis. Il y a eu. Sa propre fille. Elle est arrivée hier nuit. On est arrivé en blanc de 16h. Ok, donc va. Faut attendre d'abord. Oui, viens. Oui. Hein? C'est sorcière. Hein? Mm-hmm. C'est à quel âge? Tu connais pas? Elle a 21 ans. Donc tu es majeur. Tu reconnais que tu es sorcier. Tu as fait quoi? Qui t'a donné? La petite grand-mère. La petite grand-mère. Comment elle t'a donné ça? Maman nous a donné. Elle a préparé un riz. Pas le fort. Elle a préparé un riz. Maintenant elle m'a donné viande. Viande qu'elle m'a donné. Elle a mangé. Maintenant elle a mangé. Même nuit, elle est venue. Même nuit, elle est venue. Maintenant, elle est venue. Elle est venue. Elle a envoyé poutre. Poutre qu'elle a envoyé là. Elle a envoyé. Maintenant, elle a fait ça comme cela. Maintenant, elle est transformée en chat.
Maintenant, on est parti. Les menus le sont, oui. Alors, on est parti maintenant. Tu t'es transmis en charge. Il est parti. On est parti dans les camps. Maintenant, on est arrivé là-bas. Dès qu'on est arrivé, elle dit d'aller tuer le grand frère de mon papa. Bah, moi, je suis nouvelle là-bas. Donc, je suis parti. Comme tu es nouvelle, on dit, il faut envoyer quelqu'un d'abord. Maintenant, je suis partie. J'ai envoyé le grand frère de mon papa. Après c'est ça, clair, parce que l'initiation, quand tu finis ici, souvent tu dois envoyer quelqu'un pour avoir droit à la parole. Maintenant, après. On parle de après ça, maintenant. J'ai envoyé ma grand... Deuxième. Tu envoies le frère de ton papa là, et tu envoies deuxième. Deuxième là, il s'appelle Désiré. Premier là, tu l'as tué comment? Premier, on a attaché. Il a pensé comment? Hé! Tu craches là-bas pourquoi? Sors! Deuxième là, il a craché dans mon jeu là. Tu as fait quoi? Il a craché dans mon jeu. Comment tu as fait? Ce oui, il mangeait. À ce moment-là, il n'avait pas encore commencé à manger. Et puis, tu as, quand il a envoyé le repas, tu as craché dedans. Comment tu as fait? Comment tu as fait? La veille, elle m'a donné poudre. C'est poudre-là qui a mis ça. Dans la paume? Dans la paume. Tu as fait quoi? Il est sucré. Dans la nourriture. Et puis, lui, il a mangé. Et quand il a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé malade grandement. Maintenant, ils ont cherché mes médicaments juste pour mon père. Ils n'ont pas eu. Il est mort. Et tu l'as mangé. Maintenant, troisième, de ma propre grand-mère. Ça aussi, c'est la petite là encore qui m'a envoyé. Que si elle est là, et mon grand-père là, il va s'occuper de elle. Donc, il n'y en a qu'à la tuer. Là, elle sera la grande. Pas dans le micro. De la tuer. Là, elle sera la grande. Maintenant, elle a tué. Elle est tombée malade. Il faut aller, on allait chercher un médicament chez un petit chien. Maintenant, s'ils ont mis le médicament, la femme, elle me pousse. D'aller enlever mes médicaments sur ma grand-mère. Que ce n'est pas parti, moi, mais elle est mourue. Que des parties. Des au total, t'as tué combien? Au total. Ils sont sept. Sept personnes. Mais là, ma grand-mère aussi, là, elle est morte. C'est toi qui l'as tué. Tu te transformes en quoi pour tuer les gens? Un chat. Comment tu fais pour te transformer? Mes yeux. C'est ça qui fait tout. Et tu as gâté combien de personnes? Oui, ça va? Petit frère de mon papa, lui, $6, je deviens son mari. Hein? Je deviens son mari. Sa femme. Elle était où? Tu deviens la femme. Tu venais comme garçon ou femme? Femme. Ah, donc lui, dort, et toi, tu vas coucher lui la nuit. Hein? Comment tu fais? Arrive là-bas. Attends. Tu as kiki de l'homme ou est pour femme? Quand tu vas là-bas, c'est pour femme ou c'est pour l'homme? Là-bas. C'est chat. Non, quand tu vas coucher avec le monsieur là, c'est un homme, non? Tu deviens garçon. Tu deviens garçon. Et tu as kiki? Non. Tu utilises quoi alors?
Hey, on n'a pas le temps. J'ai dit, tu dis que tu es une femme ou un garçon. Femme. Donc, c'est à quel cul tu tapes? Tu tapes cul sur le bonnet, femme. Tu tapes cul sur la pourquoi? Hein? Comment tu vas coucher lui? Tu fais comment pour coucher lui? Arrivé là-bas, il me déshabille. Maintenant, lui, il se lève. Comment? Il dort? Pourquoi il se lève? Il dort. Maintenant, je fais, puis il se lève. Comment? Si c'est arrivé, je souffre sur le vent. Mais qu'est-ce qu'il a voit à toi qui va coucher pas? Quand tu couches avec lui, c'est pourquoi? Pourquoi qu'il va faire enfant? Pourquoi qu'il va faire enfant? Et pourquoi? C'est les gens qui m'ont. Donc quand on couche avec ton papa enfant. Est-ce que moi aussi? Voilà. Quand tu as enfant? Combien? Tu ne veux pas que les autres aient enfant? Donc, il devient, toi, tu deviens femme. Femme de nuit. Il te demande, tu fais ta tête, puis viens. Et tu couches avec lui. Pour gâter. Tu fais quoi encore? Maintenant, après ça, dans nos camps, il y a les vues là. Ça, moi, ils envoient. Maintenant, l'autre, ils m'envoient pour aller tuer. Non, c'est dans la même famille. Le monsieur qui est tué, il s'appelle Gédé. Maintenant, lui, où il se lave là, c'est là qu'on a mis le médicament. Maintenant, il est allé se laver dessus. Maintenant, il est allé se laver dessus, il est tombé malade. Maintenant, il n'est pas pu, il est mort. Après ça encore. Donc toi tu donnes maladie aux gens, c'est ça? Tu donnes la maladie aux gens. Maintenant après ça. Après ça, ça la femme de son frère, petit frère. Elle allait accoucher. Là, dans nos camps, c'est sa belle-mère qui a pris pour faire mouton. Maintenant, le jour qu'elle a gorgé mouton, sa belle-fille, elle allait accoucher. Non, c'est ce que toi tu as fait, tu dois dire. Pas la confrérie. C'est ce que toi tu fais là, tu as fait là. Que tu dois dire. À part ça, il y a tué les frères de mon papa là. Maintenant, ils ont dit d'envoyer mon papa. D'envoyer mon père. Moi, je vois que c'est pas bon. Allez, arrête tes conneries, tu vois, c'est pas bon. Sorcier, voit qu'ils envoient. On dit d'envoyer mon père. Là-bas aussi, Dieu ne veut pas. Maintenant, on dit si elle n'a pas envoyé mon père, ils vont même maladie sur moi. Maintenant, moi, il n'est pas pu. Maintenant, il n'a pas pu envoyer mon père. Maintenant, ils ont dit de tuer mon père. Il a dit non, il ne veut pas. Je ne veux pas. On dit, mais si tu ne veux pas, là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Maintenant, il a pris une chose. Si mon père gagne l'argent, ça ne reste pas dans sa main. Il a pris ces choses à combien en bas des Canaries. Tu ne parles pas bien. Quelque chose. Son bonheur. Tu es bizarre quand toi qui vas coucher les gens la nuit. Quel bonheur. Son bonheur d'argent. S'il gagne l'argent, ça ne reste pas dans sa main. Ça fait, j'ai fait 20. Et puis ça s'en va. Comment, elle veut dire quoi? Tu souffles l'argent. Et tu as fait quoi après? Après ça, maintenant, il m'a envoyé. Micro. Il m'a envoyé chez. Ma nièce. Voilà. Elle n'est pas ici.
Maintenant, je suis partie là-bas. Dès que je suis arrivée là-bas, son père aussi était dedans. Maintenant, son père aussi m'envoie. Qui est de souffrir, de chier dans chose, dans le foyer de sa fille. Il ne veut pas que sa fille ne casse le mari. Je suis allée chier. Maintenant, dès qu'il est chié, la fille, lui et son mari, ils vont par là. Maintenant, ils ont chassé la fille. Maintenant, il arrive. Il était de Gougnini. Gougnini. Caca de sorcellerie. Au nom de Jésus. Je détruis ta présence. Le feu sur toi. Tu m'attends le feu. Le feu. Le feu. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-la! Si vous voyez quelqu'un qui donne bonheur rouge à quelqu'un, vous dites non, il va le délivrer. La sorcellerie, c'est du fétichisme. La sorcellerie, vous voyez là, c'est un démon. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc quand il fait des aveux, c'est un esprit qui en est. Après les aveux, tant qu'on ne cherchez pas le démon, est demain sorcière. Donc les aveux ne délivrent pas une personne de la sorcellerie. Après les aveux, il faut que le démon soit chassé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que dans son esprit est logé, notre esprit est un démon. Lâche-la. Allez, lâche-la. Quitte son corps. Quitte son corps. Nom de Jésus-Christ. Le feu sur toi. Allez. Le feu. Le feu de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Tu m'attends? Lâche-la. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu. Je détruis ta présence dans ce corps. Je maudis ta présence dans ce corps. Lâche-la. 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 Tu la libères maintenant, mais au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. Tu vas partir au nom de Jésus. Tu vas partir au nom de Jésus. La seule chose qui peut chasser un démon d'une vie, c'est le nom de Jésus. Si vous partez quelque part, quand on vous donne à boire, tiens, ça va chasser l'esprit de la sorcellerie, c'est faux. C'est une pratique qui n'est pas biblique. La seule chose qui peut chasser un démon d'un corps, parce que la sorcellerie, c'est un démon, on appelle l'esprit méchant, et qu'il habite ton corps, tu fais ce genre de pratique. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Je détruis ta présence dans ces corps, dans le nom de Jésus. Va-t'en. 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 Le feu consume tes yeux dans ces corps. Le groupe d'intercession. Timaylov. C'est doux. C'est doux. Bien. Il dit, vous savez, un enfant, il t'a attrapé. Il a te mangé sauce arachide. Hein? Et ceci.
Qui t'a donné? Mon grand frère. Mon grand frère. Comment il t'a donné? Dari. Il y a quoi, Dari? Viande. Et viande, c'était quoi? Viande de l'homme. Tu as mangé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu as mangé, tu as eu le pouvoir d'aller attraper les gens. Où? Hein? T'as entendu ton voix? Il est où? Il est à Bassam. Tu as eu l'attraper. Comment tu l'as attrapé? Toi, tu es petit, comment tu attrapes quelqu'un? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Hey, petit, mais toi tu es petit, comment tu serais ton papa? Comment tu as fait? Où? Dans le camp. Quel camp? Tu as suivi ton papa? Loup là? Il n'était pas loup? Il n'était plus loup? Tu l'as soulevé? Il est allé au camp? Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as attaché. Lui, il grand comme ça. Tu l'as attaché. À quoi? Pour le tuer. Il t'a fait quoi? Non. Mais pourquoi tu l'as tué ton papa? Et tu as tué qui? Tu as tué combien de personnes? Tu as tué combien? Ton papa seul. Tu as gâté qui? Ouais, tu as tué combien? Tu n'as pas encore tué, mais tu as attaché ton papa. Tu as attaché ton papa et ta maman. Pour les tuer. Ils t'ont fait quoi? Ils m'ont rien fait. Tu es sûr que tu es sorcier? Vrai, vrai. Tu mens pas. Tu es sorcier. Tant que tu vois là-bas, vous êtes beaucoup. Vos groupes là, vous êtes beaucoup. Tu as déjà mangé l'homme? Tu as déjà mangé? Hein? Faut parler dans le micro. T'as déjà mangé l'homme? Oui. C'est doux? Oui. Quelque chose de doux est déjà laissé. Donc maintenant, t'as attaché papa pour le manger. Hein? Papa, t'as fait quoi? Il m'a rien fait. Mais pourquoi tu l'attaches? Pourquoi t'attaches papa? Tu veux manger? Hein? Mais oui, mais pourquoi? Pourquoi tu veux le tuer? Hein? Je veux savoir pourquoi. Tu t'as fait quoi? Bon, si tu as tué papa, il y a un deuxième papa. Hein? Tu as envie de le manger? Il dit oui. Il a envie de manger son papa. Il y a tellement de poulets au marché. Tu veux manger papa? Bon, maman aussi, tu veux manger? Pourquoi c'est la deux là, tu veux manger? Pourquoi? Pourquoi? Je dis, pourquoi? Tu parles plus? Ouais, pourquoi? Pourquoi tu veux tuer maman? Et tu veux tuer papa, pourquoi? Tu es vraiment sorcier? Tu es sûr? Vrai, vrai. Tu manges l'homme? Tu veux être délivré? Pourquoi tu veux être délivré? Tu veux être délivré pourquoi? Tu veux dire c'est doux. C'est doux, non? Maintenant, toi, tu veux quitter là, pourquoi? Quand on tue là, tu manges quoi? Quelle partie? Quel? C'est que c'est dangereux. Quel? Quel là c'est comment? Tu sais, quel c'est quel là c'est comment? C'est comment? Carré. Hein? Carré. Hein? Carré. Carré. C'est tout. Hein?
Maïs Hachel. Dis Maïs Hachel, le cœur, c'est toi, tu es, non? Qu'on donne. Vous êtes nombreux là, vous êtes beaucoup. Qui prépare? T'as quelqu'un qui prépare là-bas? Toi, tu fous quoi là-bas? Vas-y, tu fais quoi où on tue l'homme là? Tu fais quoi là-bas? Hein? Quoi t'appelles? Hein? Joël. Joël. Hein? C'est le plus faux des Joël. Tu fous quoi là où on tue les gens? Tu vois là-bas? Hé, tu fais quoi là-bas? Tu as attaché papa, tu as soulevé? Tu l'as soulevé? Comment t'as fait? Comment, attends, comment t'as fait? Il t'a pris ta main et il t'a fait comment? Il n'était pas lourd. Et tu l'as amené. Et tu l'as attaché. Quand tu l'as attaché, il n'a pas parlé. Hein? Et puis tu as dit, papa, je vais te manger. Et papa dit quoi? Il n'a rien dit. Il pleure. Qui a dit de faire ça? Marie. Hein? Marie. Marie. Elle est où? Elle est à Bassam. Tu as mangé pour Marie, non? Hein? Donc il faut qu'elle mange pour toi, voilà. Elle a mangé pour Marie. Il faut que je mange ton papa. C'est ça? Ok. Et maman aussi attachée. Tu n'as pas eu pitié de maman. Tu n'as pas eu pitié. Tu n'as pas eu pitié de maman. Hein? Tu n'as pas eu pitié. Tu veux quoi? Tu veux rien. Tu ne veux pas être délivré. Tu ne veux pas être délivré. Tu es délivré. Tu es sûr. Mais papa, tu as attaché là-bas. Qui va le manger maintenant? Personne. Il n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à rester là-bas. Donc, en cas de délivrer, délivrer papa. Hein? On te délivre, on délivre papa, on délivre maman. Tu es sûr que tu es sorcier. Donc si on te met ici, tu peux attraper quelqu'un la nuit. Tu t'envoies la nuit. Mais comment tu fais pour aller dans ton camp? Il est transformé en chat. Il est transformé en chat. Comment tu fais pour te transformer? On abaisse. Comment? Abaisse-toi. Depuis, tu dis quoi? Tu te transformes en chat. Depuis, tu fais quoi? Tu rentres à la maison. Pour attaquer tous les chats qui se baladent. Près de nos maisons, les nuits. Nyon. Nyon. Il est chaud la semaine. Tu deviens chat. Quand tu deviens chat, tu fais comment? Tu deviens chat, tu fais comment? Hein? Tu vas attraper. Tu n'as pas pitié des gens. Tu n'as pas pitié. Tu n'as pas pitié. Tu es doux, mon homme. Viens de l'homme, c'est doux. Faut parler, tu es doux. C'est doux. Bien doux. Toi, tu manges quoi? Hmm? Tu manges quoi? Tu... Pied et cœur. Le pied et le cœur. Toi seul. C'est ce qu'on te donne. Comme tu as envoyé là, il faut manger pied et cœur. Si quelqu'un vient dire non, tu n'es pas sorcier. Toi, tu as dit quoi? Tu es sorcier. Tu es sorcier. C'est vrai. Ah! Feu! Feu! La puissance de Dieu.
détruit l'esprit de la sorcellerie. J'ai un enfant dit, papa, viens. Papa, pourquoi t'as mangé poisson en sauce? C'est les chiffres. Mike est le tout la nuit. Quelqu'un qui aime cœur et pied. Ce jour-là, c'est qui va te mungir, te briser à Kiki, à Bodjama. Feu, allez! Quitte son corps. Dans le nom de Jésus. Non, pourquoi? Un enfant peut être sorcier. C'est possible. Avant, par exemple, c'est les mémés, les mamies. Hein? Ma chère calme, comme la vieille là. Ah, c'est là. Non, les enfants, c'est dangereux. Le petit est là, il te transforme en chat. Son papa met le soulève. Un enfant, quand tu as affaire à lui, il gâte ta journée. C'est pour ça qu'enseignez aux enfants la parole de Dieu. Oui, communiquez la parole de Dieu. Qu'ils aient une vie de prière. Ils ne sont pas délivrés. Ils vont manger matin. L'enfant, il a ta tête. Et puis, il tire tes oreilles. Il tire ta langue comme langue de bœuf. On fout tout. Dieu est secret. Autour des bêtises, pendant mieux. Là, c'est rapide, elle sort grec. Un enfant qui dit c'est tout. Donc, il rate pas le festin. Lui, donc, ça appartient. Tiens les trucs. Vous voyez donc, quand je l'ai touché, l'esprit du mal a commencé à se manifester. C'est pour dire qu'il y a un esprit en lui qui lui poussait à commettre tout ça. Et si on ne le délie pas, après avoir avoué, fait des aveux, qu'on ne le délie pas de ce démon, il demeure sorcier. Parce qu'après des aveux, il faut qu'on le débarrasse de ce démon. Comme ça, son corps, le corps que vous voyez est une enveloppe. Le corps sera totalement libéré. Il recevra, n'est-ce pas, la visite du Saint-Esprit. Il y a deux esprits qui commandent le monde. Il y a le Saint-Esprit et puis le mauvais esprit. Quand il est mauvais, dans les mauvaises pensées, il te pousse à ne pas aimer ton prochain, il te pousse à détruire. Et quand c'est le Saint-Esprit, naturellement, un esprit saint qui t'amène à voir, qui est amour, tout ça, aider les gens. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Feu! Lâche-le au nom de Jésus. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Tu vas quitter son corps. Tu vas le libérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Pars. Et maintenant même. Dans le nom de Jésus. Le goût de délivrance. Pour qu'on gagne en temps. Il faut aimer maladie sur. Et puis, quand il met la chercher. Il met maladie sur. Tu as tué 25 personnes. Tu mets maladie sur. Quand il meurt, tu vas les chercher. Tu as gâté la vie des gens, c'est ça? Oui. La vie de combien de personnes? 7 personnes. Et qui est qui? Ma maman, et puis ma petite, la grande éternelle. Tu as gâté quoi? Et puis j'ai gâté le mariage de la soeur de maman. Tu as gâté comment le mariage? J'ai couché elle à nous. Toi, tu as dit? Tu as quel âge? 13. Et la nuit, tu vas coucher? Tu fais comment? Je rentre dans le nid. Et puis, quand il sort de sa chambre. Hein? Je rentre dans le nid. Tu fais comment? Tu rentres dans le mur. Je mets tout droit, puis je rentre. Je me fais une visite. Je me fais une visite, et puis je rentre. Et finit d'entrer. Il a tout arrêté, il finit maintenant. Il finit quoi? Il finit d'enlever mon habit, et puis. Il écrit la nuit. Puis, il voit ça de ma nuit. Puis, il prend la. Il met son bas de moto. Il sort. Il veut que sa sœur touche elle. Et puis, il finit là. Il m'en va. Il prend son âme aussi par aller dans le camp là-bas. Maintenant, c'était pourquoi? Quand tu couches avec elle, c'est pour. Pour gâter son mari, pas à son enfant. Pour gâter son mari, pas à son enfant. Maintenant, tu te réveilles, tu as l'impression que tu as fait l'amour en rêve. Tu es mouillé, c'est spirituel. Quand
Il y a une tante dans le village, elle appelle Mika. On allait la chercher. Il s'est allé la chercher, puis on a dit, les frères ont bu, puis il a tiré, on est parti dans le camp. Il l'a attaché. Et puis, ça, j'ai mis ta passer en entier. Il a mangé. Toi, tu manges quelle partie? Moi, je mange tête et queue. Les chefs. Et quand tu tues l'homme, qu'est-ce qui se passe? Tu vois un être humain, tu sais que c'est un être humain, toi-même tu sais. Quand tu vois l'attaquer, qu'est-ce que tu ressens? Quand elle n'a pas envie de faire, elle me pousse pour faire. Non, mais quand tu n'as pas envie de faire, pas te pousser. Est-ce que tu as pitié? Est-ce que là-bas on a pitié? Non, là que tu gagnes pitié, on est transformé en mouton. Non, mais quand tu viens sur toi, on enlève ça la pitié. Est-ce que tu as pitié? Tu ressens quoi pour cette personne? Rien. Et tu es content quand tu tues quelqu'un. Quand tu manges, tu sais que c'est un être humain, même si on a transformé un peu. Tu sais que c'est un homme, non? Et puis, qu'est-ce que ça te fait quand tu manges? C'est doux. Je ne vais pas parler. C'est doux. C'est doux. Et tu manges. Le cœur. Et tu vois, tu sais que c'est toi qui as tué la personne après, n'est-ce pas? Parce qu'après, la personne meurt après, n'est-ce pas? Tu sais que c'est toi qui l'as tué. Maintenant, quel est ton état d'âme? C'est-à-dire que quand tu vois la personne, tu as fini de manger, non? Tu vois la personne, et qu'est-ce que ça te fait? Après, il nie. Tu nies. Tu dis rien à la personne. Tu es méchant, c'est ça? Tu fréquentes ici? Je ne vois pas. Mais tes papiers ne sont pas rentrés dans la tête. Là. Pourquoi tu ne viens pas, tu ne prends pas sorcellerie là pour aller à l'école? C'est pour gâter son nom. C'est un danger pour la famille. Au moment où les gens dorment, toi tu te lèves pour aller manger. Est-ce que tu ne manges pas ici? On ne donne pas à manger? Si, on me donne. Mais pourquoi c'est pour la nuit là? Tu vas encore manger la nuit? On vient me chercher la nuit, on crie mon nom et bon, tu vois, est-ce que tu as oublié de sortir? Tu peux aussi dire non. Je suis là de danser aussi, je vais venir me chercher. Pour faire quoi? Aller chercher les gens. Pourquoi tu ne dis pas aux gens, quand tu vas à l'église, pour te délivrer? Tu l'as dit. Et puis la personne dit quoi? Maman dit que c'est faux. Tu n'es pas sorcier. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir à l'église? Ça, la petite fille, là, ça a été dans le cabine. Et puis maman est en cabine. Je sens la rue. Comment? Feu! Allez! Puissance de Dieu! Le feu! Lâche-le! Le feu! La puissance de Dieu! Manifeste-toi et pars! Manifeste-toi et quitte ce corps dans le nom de Jésus! Tu m'entends? Quitte son corps. Quitte son corps. Manifeste-toi et pars. Tu libères son âme. Tu libères son esprit par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Lâche-le. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Je détruis ta présence dans ce corps. Je maudis ta présence dans ce corps. Amène la délivrance sur la progression. Vous avez ça? Vous avez la sorcellerie? Oui. Vous voulez être délivré de ça? Oui, oui. Venez alors. J'espère qu'on ne pense pas. Non, pourquoi que la chaussure? Portez la chaussure ici. Parce que ici, quand vous venez, on écrit ici, on filme, on immortalise tout.
Vous êtes d'accord avec le système? Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. Parce que ici, on va immortaliser votre vidéo. Parce que je veux que guérison. Donc c'est avec votre accord? Oui. Voilà. Vous n'avez pas dit demain, il y a des bruits. Hein? Si il y a un bruit, je suis guéri, je suis content. C'est... Non. Il ne faut pas que demain, tu nous dis, tu dises aux gens qu'on t'a forcé. Non, non, non. Je suis venu passer, il n'y a pas d'accident. Ou bien je ne sais pas ce qui m'a dit. On pas parler de... Je suis sorcier, il faut que je quitte dedans. Ok. Voilà. Donc c'est avec votre accord. C'est avec votre accord. Qu'on va faire des aveux. Voilà. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Pour pas demain, tu as dit le prophète, je ne voulais pas. C'est pas moi qui te fais venir ici. Vous êtes d'accord avec ça? Non, non, non. C'est pas moi qui t'ai appelé pour venir ici. Non, non, non. Vous êtes venu avec vos enfants? Je suis venu avec ma première fille. Oui. Pour que maladie qui est sur moi là, ils vont voir. Et on va me guérir. On va me délivrer. Mais on a vu mauvais esprit sur moi. Ah, donc tu avais mauvais esprit? Oui, il faut qu'on enlève ça. Attends. Tu étais malade, c'est ça? Oui, j'étais malade. Ok. Et puis maintenant tu as vu. Attends, stop. Et puis on a vu mauvais esprit sur toi. Oui. Et vous avez ce mauvais esprit, vous n'avez pas déclaré ça depuis. Parce que quand on est venu, je ne pensais pas à ça. Non. Voilà. C'est pas question de penser à ça. Je n'ai pas déclaré. Ah, voilà. Parce que le mauvais esprit, vous savez que vous avez ça. Mm-hmm. C'est ça? Oui. Voilà. Or, tu as bien dit mauvais esprit. Oui. Mauvais esprit, ça détruit. Oui. Vous avez ça. Au lieu de parler de ça aux gens pour qu'on t'enlève ça, vous n'avez pas dit. Je n'ai pas parlé. Et pourquoi? Parce que j'avais oublié. On oublie mauvais esprit. Oui, parce que j'ai compté sur ma maladie qui est sur moi. Non, ça veut dire que vous êtes mauvais de cœur. Ouais. Vous savez que ce qui est en vous là est mauvais. Ouais. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. C'est ça? Vous n'avez pas voulu qu'on parle de ça. C'est-à-dire que... Vous reconnaissez la sorcellerie? Je connais, je la connais. Vous êtes sorcier? Voilà. Expliquez-nous, comment pratiquer la sorcellerie? Bon, merci. Je suis au village, et mon grand-père, il m'a appelé à Arep. Et quand ils ont découpé la viande sur la feuille de banane, c'est un cerveau. Mais je ne vois pas la chair. Donc on a dit de manger. Ils sont trois. Mais les deux là, je les vois, mais l'autre qui est à gauche, de ma gauche, il brille, mais je ne le vois pas. Oh, je les avais accusés, mon petit frère, moi, je les ai accusés sorcier. Non. Donc, non, c'est non, là. Non, non. Bon, je laisse. Vous voulez laisser à manger. Voilà. Dit de manger. Bon, quand on dit de manger, je dis, ah, les trucs comme ça, je ne mange pas. Ils m'ont palatiné jusqu'à pas fini. Celui qui est à gauche, j'ai dit, si tu ne manges pas, tu ne bouges pas. Je dis, mais est-ce que c'est forcé? Quelqu'un dit, il ne mange pas, on ne peut pas le forcer. Mais puisque tu es arrivé là-bas. C'est bon. Là-bas où tu es arrivé, là, on mange pour revenir. Donc, pour me libérer, j'ai mis les doigts. Quand j'ai mis sur ma lèvre, je vois que c'est trop sucré. Et puis, j'ai rendu. Dès que c'est sucré que je tournais, je suis au lit. Mais quand je suis au lit, dans ma bouche, là, c'est rempli de. De viande. Non, c'est rempli de salive. Et j'ai crié, j'ai appelé ma grande sœur. Il dit, ton frère est venu ici hier et il t'a parlé. Ce que tu lui as fait à Bidjan là, il n'est pas content. Donc il est venu te dire qu'il a laissé, mais ce n'est pas son propre cœur, c'est lui qui a fait. Donc, je suis allé au travail et je suis venu d'ailleurs 5 jours. Non, comment vous avez été initié à la sorcellerie? C'est sur ça là, c'est sur le manger. Maintenant, quand vous avez été initié, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je n'ai rien fait. Mais c'est l'autre. Non, ce que vous avez fait, oui. C'est ce que nous voulons entendre. Pas ce que l'autre a fait. Non, c'est-à-dire. Non, vous rendez ça long, on veut aller un peu vite. Bon, vous dites oui. Que vous reconnaissez que vous êtes sorcier. Oui. C'est ça? Oui, oui. Or, la sorcière, vous êtes convaincu que ça détruit. Oui, oui. C'est ce que vous avez fait qui nous intéresse. Voilà. Comment l'autre a fait, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est vos aveux qui nous intéressent. Bon, quand c'est fini, c'est que l'autre a mis sur moi là. Ça, je voulais parler. Non, ce que tu as fait, parce qu'on a mis sur toi. Oui. Bon, quand on a mis sur moi, une fois que tu parles un peu, je suis nerveux. Et c'est ça qui fait que le type, même, il voulait aller contre moi et je lui ai tapé. Il est mort. Bon, vous n'expliquez rien. Vous avez vu tous ceux qui sont passés tout à l'heure. Oui, oui. Et comment ils ont parlé? Ce que vous êtes en train de dire là, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Vous reconnaissez être sorcier. Parce que sorcier tue.
Oui. Un, sorcier, quatre. Mm-hmm. C'est tout sorcier, moins l'homme. Oui. Les trois choses là, oui. C'est ce que nous voulons entendre. D'accord. Comment vous avez tué, comment vous avez mangé l'homme, comment vous avez gardé. C'est les trois choses qu'on a besoin. Et il est venu, quand il est venu, j'ai discuté avec... Monsieur, attends. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez tué qui? Vous plaignez de quelque chose. Vous avez tué qui? Bon, on n'est pas obligé de faire votre avis. Non, on n'est pas aussi obligé de vous prendre si... parce que je pense que vous êtes venu, vous voulez qu'on vous délie, c'est ça? Vous voulez qu'on vous délie? De quoi? De la sorcellerie. Okay. Ce que vous êtes en train de compter, ça n'a rien à voir la sorcellerie. Vous reconnaissez que vous êtes sorcier? Oui. Qui vous avez tué? Bon. Celui qui m'a amené là, j'ai lutté avec lui, puis je l'ai abattu. Vous l'avez tué ou vous avez lutté? J'ai tué là, je l'ai tué. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes très diplomate, hein? Vous l'avez tué. Oui. Et vous avez fait quoi de lui? Bon, quand je l'ai appelé de lui, les groupes qui étaient là, là, je l'ai donné, ils m'ont donné son bras. Pour manger? Voilà. Vous avez tué qui encore? Bon, le second qui avait. Qui m'avait pris aussi dans la chambre avec mes bras et je lui ai arraché avec mon bras. Je luttais avec lui encore et je lui ai battu. Mmh. Et en même temps, quand il est mort, on m'a donné son bras. Vous l'avez tué ou bien il est mort? Il est mort. Qui l'a tué? C'est moi. Et puis qui d'autre? Bon, l'autre là, on a discuté pour les plantations. Et quand il est venu, on a parlé, je lui ai donné du vin. À groupe, j'ai dit, si tu vas, tu sais, si tu vas laisser mon plantation, tu vas mourir avec ça. Et c'est sur ça là, il est mort. C'est tout. Parlez des gens que vous avez tués. C'est toi là, j'ai tué. Oui, et puis quoi? C'est tout. C'est tout. Vous avez gâté qui? Je n'ai pas gâté toute personne. Vous n'avez pas gâté de gens. Depuis vous êtes là, vous n'avez jamais gâté ni enfants, ni des pour enfants. Mes enfants. C'est ça que j'ai parlé l'autre jour. Mais les gens, c'est enfants. Oui, enfants. Agent. Donc, pour les enfants, j'ai parlé. Tu as parlé comment? Tu as parlé à qui? C'est-à-dire, bon, pour mes enfants, ils m'ont promis. Ils disent, on va te payer la voiture. On allait voir la voiture, c'est deux portières. Bon, les deux portières là, quand tu vas faire le travail, aller rester sur l'hôtel pour. Et papier, il peut faire le transport avec les étrangers. Il ne peut pas prendre deux portières. Donc, je vais quatre portières. Et ils m'ont dit, bon, on va aller dire à la femme, et puis on va chercher quatre portières. Mais quand ils sont partis maintenant, c'est resté. Je suis parti au village. Mais quand je pense à ça, je dis, ah, mes propres enfants, je compte sur eux, ils m'ont trahi. Ça, c'est parole. Je dis que ça m'a pas. Ben c'est tout, on n'a pas acheté la voiture. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ce sont les enfants. Moi, je veux qu'ils restent avec moi. Donc, les biens. Les biens. Elle est là, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu es malade tout le temps. Non, ne te permets pas. J'ai dit. Bon, je pense que. On va arrêter ça. Parce que quand quelqu'un refuse de payer ta voiture. Qu'est-ce que tu as fait à la personne? C'est ce que nous voulons entendre. Tu n'as rien fait. Bah, tu dis tu n'as rien fait. Donc, non. Tu ne parles pas de ça. J'ai dit, c'est que j'ai fait. Quand tu as arrêté de payer ta voiture, c'est fini. La personne n'a pas payé ta voiture. Maintenant, pourquoi tu reviens sur ça? C'est que j'ai fait. J'ai dit, il n'a pas payé la voiture. Il ne faut pas, il va acheter. Et où il est là, il n'est qu'à être comme moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il fait là, il ne peut pas réussir. Bon, mais c'est qu'est-ce que vous entendez, Midi? Vous jouez notre esprit. Je l'ai gâté. Je l'ai gâté. Ah, mais pourquoi ça pousse? Vous avez peur de dire. C'est ce que nous voulons entendre pour délivrer les gens. Vous avez gâté. Vous ne pouvez pas arranger. Nous, on va l'aider. Or, elle-même, là, psychologiquement, où les enfants, ça les libère. De savoir d'où vient leur problème, la source de leur problème. En aucun cas, les enfants ne peuvent te renier. Moi, je ne peux pas permettre ça. Parce qu'on ne choisit pas un parent. C'est Dieu qui l'impose. Maintenant, toi, tu dis. Tu reconnais que tu es sorcier. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce que tu les as fait? Mon père jetait ma voiture, donc. Bon, ils n'ont pas acheté. Oui. C'est que tu as fait là. C'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit, ils n'ont pas acheté ma voiture, donc
C'est depuis la paix, il va pas en France. Oh, qu'est-ce que tu as fait, Il a gâté ça, il a gâté telle chose dans sa vie, il a fait comme ça. C'est pas l'argent. Et qu'est-ce que tu as fait? Hein? Pour ne pas qu'elle ait l'argent. Oui. Donc ce matin, j'ai pris de l'eau et puis j'ai parlé. Mm-hmm. Dit que l'eau, je verse là. Mm-hmm. Là ma fille ne m'a pas, m'a promis et puis ne pas faire. Papa, sa vie n'a qu'à se gâter. Papa, il va pas. Sa vie n'a qu'à se gâter. Sa vie n'a qu'à gâter. Parce qu'on t'a, promis une voiture, on n'a pas fait. On n'a pas fait. Et tu as fait ça à qui encore? Bon, c'est l'autre celle qui m'a promis. Présentement, elle est venue l'autre, j'ai dit, bon, il faut lancer tout cela. Je vais envoyer 4 cartes pour que je vais te donner pour que tu vas travailler avec ça. C'est pas quoi. Hier, elle m'a prédit, tout ce qui est là, il faut le laisser pour notre papa, mais je vais envoyer ta voiture. Non, vous êtes très rusé. Non, c'est pas ce que vous êtes dit. Qu'est-ce que tu as fait? Pour que tu as gâté tel enfant. C'est parce que ça coûte une voiture là, parce qu'ils m'ont promis et ils ne m'ont pas donné. Bon, tu n'as pas donné, ok. Oui. Maintenant, quelle est l'acte que tu as posé qui prouve que c'est toi qui les as détruits? Parce qu'ils ne m'ont pas donné, ça me fait mal. Et donc, tu as fait quoi? Donc, j'ai versé de l'eau. Pour les maudits. Pour les maudits. Ah, mais faut dire, oui, c'est que ça ne m'abouche. Tu les as maudits? Oui. Pourquoi m'envoie l'argent? Ces deux personnes sont mortes ou tous les enfants? Bon, tous les enfants, ils n'ont pas dedans. Tous les enfants n'ont pas dedans. Mais c'est les deux là. C'est les deux là. C'est toi qui m'as dit, laissez, je deviens à Rimbo, ce mois ici, aux États-Unis. Donc, papa, il faut aller à l'église. J'ai dit non, mais je n'ai pas aller à l'église. Ils t'ont vu en rêve? Oui, oui. Tu es arrivé là-bas? Non, attends, il a dit, mais je n'ai pas arrivé là-bas. Et tu peux arriver là-bas? T'es un sorcier, non? Oui, oui. Hein? Oui. Mais tu peux arriver? Je peux arriver. Elle t'a bien des visas. Elle t'a bien des visas pour voyager. Je n'ai pas. Toi-même, tes visas? Oui. Tu n'as pas besoin d'aller au consul pour dire, tu fais demander des visas. Toi-même, là, tes visas, tu es parti. Donc, voilà ça. Tu n'as encore rien dit, tu dis, Vazek. Tu as joué à notre esprit. Tu as fait quoi? Ce que j'ai fait. C'est ça que j'ai dit, Je n'ai rien. Qui a compris? On ne savait pas qui tu as fait. Il a fait tel enfant. Tu n'avais pas donné le nom des enfants. On n'a pas entendu le jouer, on a été délivré. Hein? Il y a Philomène. Où elle est? Philomène vient. Pourquoi? Tu as fait quoi, Philomène? Philomène, ils m'ont promis. C'est qu'ils m'ont promis, il ne m'a pas donné. Donc j'ai dit, pourquoi il va juste. Il a maudit. Pourquoi ça vous fait, ça vous effraie de dire? Donc, est-ce que tu sais au moins s'ils ont l'argent ou pas? On peut te promettre et puis ne pas avoir des moyens sur place pour t'aider. C'est pas pourtant. Tu dois prier pour qu'elles aient les moyens. Est-ce que tu. Un enfant que tu mets au monde, tu es obligé de maudire cette personne. Sous prétexte qu'elle t'a promis, ils ne t'ont pas dans la voiture. On peut te promettre et des choses peuvent arriver. Nous, on nous promet, et puis les gens n'arrivent pas à réaliser les promesses. C'est pas pourtant de les maudire. Parce qu'on comprend la vie. Il y a ce qu'elle peut, elle a cette volonté de pouvoir t'aider. Et puis les jours qui suivent, vous séparer, il peut avoir des difficultés. Vous voyez? Mais est-ce que c'est pourtant dit, il ne faut pas jamais réussir dans ta vie? Pourtant, c'est ta vie. En disant ça, tu sais au moins ce que tu entends décrire dans la vie de quelqu'un. Parce que le fait de dire, tu ne vas pas réussir, c'est un mauvais sort. Et tu jettes sur sa vie. Et vous voulez maintenant la voiture? Oui. Et pourquoi? Vous voulez maintenant la voiture? Après avoir versé l'eau pour dire qu'il ne faut pas, ils vont réussir dans la vie, ils vont voir qu'elle réussit pour envoyer la voiture. Tu ne dois pas prendre. Je dois prendre. Ah, là, tu dois prendre? Là, maintenant, ce que j'ai fait là, je vais le tenir. Mais tu as déjà mis, c'est bloqué. C'est quand tu vas verser l'eau pour que ça quitte, et puis m'envoie. D'accord. Attends, tu as versé l'eau, non? Pourquoi que ça reste? Non, il ne faut pas ça marcher, n'est-ce pas? Et tu as reversé l'eau encore pour dire que ça n'a qu'à marcher. C'est que j'ai pas vécu, j'ai perdu, je peux faire plus, ça veut. Mais justement, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Si on me guérit, tout de suite. Même ce matin, je peux faire ça d'abord avant de partir. Même quand il va arriver à Abidjan,
Je vais l'appeler chez moi à la maison et puis je vais référer. Ah, mais c'est notre souhait. Voilà. Écoutez. Même Serge qui est là-bas. Non, écoutez, ce que nous voulons, c'est de vous réconcilier. Ouais. Voilà. En aucun cas, on ne peut permettre à ta fille, un, de te manquer de respect, deux, de te renier, trois, de ne plus t'aider. Non. Non, ici, c'est pas ça. Tu as posé un acte, tu le reconnais. Un père, un parent, on ne le choisit pas. Vous comprenez? On ne le choisit pas. On a des caractères. On est bon, on est mauvais, c'est un parent. En aucun cas, on ne peut... Mais le problème qui se pose à maintenant, c'est que ce que tu as engendré, a mis au monde, en tant qu'enfant, n'arrive pas à réussir. Or, en tant que parent, c'est toi qui dois l'accompagner dans la bénédiction. C'est ce que je vais te faire comprendre. Quand, on peut te promettre, tu es un père, et puis arriver à un moment donné, les choses peuvent changer, les situations difficiles. Ce n'est pas pour tout les maudits. Merci beaucoup. Mais quand tu as promis ton papa que tu n'arrives pas à faire, il faut le dire. Pour moi, ça va non, mais c'est un enfant. Il t'a dit sa première à papa, ça fait c'est honteux. Il y a aussi une diplomatie, une manière de parler pour dire qu'il faut attendre. Mais ce n'est pas pour tant maudit. C'est l'esprit qui donne un mauvais caractère. Ah, voilà. Donc si aujourd'hui on vous dit que vous êtes sorti, pourquoi vous avez plainte? Parce que ce caractère ne doit pas poser le mot que tout compte fait, un père aimerait voir ses enfants réussir dans la vie. Vous ne devez pas être tenté par ce mauvais esprit. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas vous pousser à bout. Sachez que ce sont vos enfants. Il y a des choses qui ne doivent pas vous pousser à bout. Bon, vous allez verser l'eau. Malédiction, là, c'est la parole maldite. Ça a toujours été. Elles t'ont promis, non. Elles n'ont pas réalisé parce que peut-être qu'elles ont manqué de moyens. Mais une malédiction, ça a toujours été. C'est un mauvais sort que vous avez lancé. Maintenant qu'il y a des difficultés. Ah ouais, tu vois un rêve, n'est-ce pas? Aux États-Unis, en train de la chasser à machette. Oh, tu as fait ça. N'est-ce pas? Mm-hmm. Tu as versé l'eau, non? Pour que sa vie se mélange. Oui. Ah oui, donc, tout va se mélanger. Maintenant, si les gens viennent te dire, papa, tu es sorti, il ne faut pas te plaindre. C'est ce que tu as posé comme acte, tu te poursuis. Et ils vont venir, ils vont te promettre. Mais tu as déjà posé un acte. Il fallait quand même être patient. Même si les gens, les enfants, revenaient et te disaient, papa, il faut patienter ou bien tout comme fait. L'Europe, c'est pas. Aller aux États-Unis, c'est pas. Ils ne dorment pas où on fabrique l'argent. Là où ils sont, c'est pas parce qu'ils dorment où on fabrique l'argent. Où on t'a promis, il faut forcément qu'on te dorme. C'est l'erreur que tu as commis. Voilà, c'est l'erreur. Et c'est cette erreur-là qu'on va ensemble réparer. Je le connais. Voilà, on va tous régler ça. En aucun cas, on ne dira à tes enfants de t'abandonner. Non. Nous ne sommes pas là pour ça. Elle est obligée de t'aider. Mais c'est intéressant de dire, voyez ce que j'ai fait. Voilà. En avouant, ça brise le pouvoir de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? Tu es lanceur de sort. Tu as lancé un sort. C'est le sort que tu as lancé. N'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. C'est un sort lancé. C'est ce qui s'en fait se produire. Elle se lève matin, elle est malade. Vous comprenez? Tout se bouleverse autour d'elle. Et effectivement, les deux filles, c'est les deux filles qui t'ont promis, n'est-ce pas? Non, c'est celle qui m'a promis premier. Et puis l'autre a promis deuxième. C'est pas réussi. Donc, quand l'autre est venu hier, là, c'est là la vie, moi. Oui, mais c'est plus ça, mais tu vas voir ta voiture. Donc, voici un peu. À un moment, nous, les parents africains, nous sommes souvent la base des problèmes de nos enfants. Nous sommes experts en maudits que des bénis. Voilà. On peut quand même patienter. On peut user de patience, sachant que ce sont nos enfants. Vous comprenez? Maintenant, le sort que vous avez fait, quand vous versez le boudi, vous n'allez pas avoir l'argent. Vous attendez à quoi? Quel est l'argent? Que ça marche, non? Qu'effectivement, qu'elle n'ait pas l'argent. Mais ça agit. C'est ça qu'on appelle sorcellerie. Je suis sorcier. C'est ce que j'ai pas.
C'est ce que tu ne devais pas faire. Tu vois, c'est ce que tu ne devais pas faire. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Bon, sur ma maladie, parce que j'ai pas sur ma maladie, elle est venue pour m'envoyer ici. C'est toi. Et vous avez. Vous êtes très égoïste. Non, vous êtes très égoïste. Vous ne pensez qu'à vous. Tout ce temps que je suis en train de dire là, c'est vous. Vous avez fait quelque chose qui a des effets. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est la question. J'ai l'impression que vous êtes égoïste. On m'a envoyé si je suis malade, je dois avoir une voiture. C'est l'égoïsme. Vous pensez qu'à vous. Ce que vous avez posé comme tort, c'est-à-dire le mauvais sort en train d'agir. Vous comprenez? Et c'est la même personne que vous envoyez ici. Donc vous laissez votre problème et puis occupez-vous du problème de la personne. Je suis malade, m'envoyer ici là, ça ne devait même pas ressortir. Comprenez? Oh, merci beaucoup. Vous devez nous donner, je sais pas quoi. Vous donner la possibilité de vous aider en délivrant votre fille. Et à la suite, vous après. D'accord. C'est ce que je voulais entendre. D'accord. Je suis d'accord. Je veux qu'on l'a donné. D'accord, je suis d'accord. Je suis ici là, je suis d'accord. Que quoi? Même arrivé chez moi aussi, je peux faire même chose. Non, à ton moment, on est ici. Oui, on est ici là. Et ce matin, je vais prendre de l'eau et puis je vais parler avec vous. Je vais me baiser. Et après maintenant, on va quitter ici, arriver à Corapilla, je vais faire même chose avant de partir. Comment l'appelle? C'est ton père. C'est celui qui est ton géniteur, non? Ok. Ici, on est ses papas, parents. Tu as entendu ce qu'il a dit? Voilà. Nous, on rentre plus dans trop de détails, mais je pense que le père reconnaît avoir posé un acte négatif dans ta vie. Je pense même qu'il dit, décide de laisser, n'est-ce pas? Pour décider. Dites-lui. Non, on va régler ça. Je ne peux pas permettre que tu te manges ou le mariage parce que ce n'est pas possible. Tu comprends? Tu es le père. Ce n'est pas la mère qui te mange nous devant l'enfant. Yes. C'est l'enfant qui va te manger nous devant toi. Yes. Mais dis-lui ce que tu as fait et puis dis-lui que tu laisses tomber. Nous, on va gérer le reste. On va prier. Il peut vous mettre ensemble. Merci. Bon, Yann. Oui. Yann. Yann. Que vous il dit, ma mère, hein, je crois en toi, parce que c'est toi, c'est ma première fille. C'est qui j'ai fait, je t'ai fait. Je crois en toi, et ce que tu m'as fait, tu m'as promis, tu n'as pas fait. Ça a soulevé mon cœur. Il dit, si c'est quelqu'un qui n'est pas bon cœur, c'est ton corps à l'envoyer. Mais je compte sur mes enfants. N'est pas bêté, frère. Bon. Et je vais dire, lui est gagné. Et lui là. J'aime bien mes enfants, c'est pour ça que je ne t'ai pas tué. Et il me suis obligé là. On a dit, on est à quoi sur votre paye. Je ne t'ai pas tué, mais j'ai préféré te gâter. C'est tu vas venir. Tu vas venir pour que tu entendes que c'est moi qui ai fait ça. Il dit, j'ai fait ça pour que c'est toi qui dois venir vers moi, mais demander pardon d'abord. Ce que j'ai fait là, je vais te le dire. Aujourd'hui, voilà, donc ce que tu as fait là, ce qui a fait que j'ai gardé ça dans mon cœur, aujourd'hui là, au nom de Dieu, je te bénis. Je te bénis et tout ce que j'ai fait, je laisse tomber. Je laisse tomber. Et t'as dit tout. Je laisse tomber. Mais et quand même, mais je vais commettre à quel moment je vais commettre à partir de qui il est. Il dit ce matin même là, je peux même verser de l'eau dans le but que tu sois. Mais même il est où tout? Oui, on peut même partir. J'ai besoin de ça, l'image. Ouais. Je peux te bénir encore. Voilà. La bénédiction. Voilà. Maintenant, là, j'ai tout laissé. Pourquoi? Okay. Voilà.
Amen. Il dit que la grâce descend sur ces paroles-là. Ce que je viens de dire là, et que la vie de Dieu s'empare de mes paroles que je viens de prononcer. Amen. Il est bien traduit, non? Oui, pas mal. De temps en temps, pour aller au pays, c'est important. Amen. Amen. Je suis réjoui. Salut ton père. Je vais me qui? Ces enfants sont là? Bien. Le père en profite, tu voulais faire quoi? Parce que dis-moi en même temps. Dis-moi, c'est moi, c'est moi qui oriente, tu veux faire quoi? Ensemble, ensemble. Donc ils viennent quand? Donc on va faire ça le soir. C'est mieux. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que le Père a compris. Je ne voulais plus qu'on rentre trop dans les détails pour fouiller. Non. Je pense que le fait qu'il soit ici, là, il a compris. Voilà. Philomène, c'est ce que tu vas comprendre. Il a tué qui? Il a noyé qui? Non, je veux plus qu'on revienne là-dessus. Parce que moi, j'ai compris. J'ai compris l'acte qu'il vient de poser. Tout compte fait, il faut qu'on vous réconcilie avec votre papa. C'est vrai, il a dit des choses, hein. C'est des paroles fortes embêtées, hein. Qu'il t'a fait ça pour que tu reconnaisses son autorité de père. Ce serait que tu t'as maudit. Il allait te tuer. Mais il t'a maudit pour que tu reviennes un jour. Et c'est ce que tu as fait. Donc il laisse tomber. Tout compte fait, une faute avouée est pardonnée. Et je pense qu'il faut qu'on marche selon les principes bibliques. En aucun cas, nous ne pouvons permettre à vous de se baser sur ça pour dire non. Moi, j'ai des choses à dire au Père. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut que le cœur qu'il a là, qu'il change de cœur. Parce que le mauvais esprit, il ne s'empare pas d'un cœur comme ça. Il ne s'empare pas d'un cœur qui est bien disposé et qui le guide pour détruire. Voilà. Donc, comme la famille arrive. Mais je pense qu'il faut qu'on en parle doucement pour régler ça. Il faut que ça soit réglé. Hein? Oui, mais ça c'est réglé. C'est le problème. Non, oui, voilà. Ils ont aussi subi. Oui. Ils ont subi là, donc. Oui, mais c'est pour te dire, on va. Même si on attend des choses qui nous choquent, il faut qu'on parle doucement parce que tout qu'on fait, c'est notre papa. C'est votre papa. Ah, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, merci. Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est votre papa, il a posé un acte à un moment donné de sa vie. Je pense que les choses vont se régler. Si on voit ça de la même manière, on va te réconcilier. Voilà. Moi-même, j'irai même à Abidjan. Et puis, je vais arriver à la maison. Tout compte fait, la voiture, là, tu vas avoir ça. Vous pouvez savoir quoi. Ouais, tu voulais dire quelque chose. Il dit, mais tu voulais me dire quelque chose. Il dit, je te salue. Il dit, quand on est dans le monde là, on dit là. Faut pas trop écouter. Faut pas l'imiter. Ouais. Si tu veux regarder ça, toi et ton papa, vous n'avez pas son temps. On dit là. Toi et ton papa, vous n'avez jamais son temps. Il dit, en bon de le mettre au monde, elle est bon. Donc, on peut vous dire, on est avec mon blanc, on te bête au cou. Il dit à son fils de ne pas aller au village, c'est ça? Au village, il y a trop de sorcellerie, c'est mauvais. Donc c'est ce qu'il a dit à son fils, que pour le moment, pas ton mot d'ordre avant d'aller au village. Quoi, ça crée des bruits entre lui et son père. Même celui qui a gagné, il va venir aussi. Si, peut-être sur le cas où il va venir. Et ça, même lui-même, il m'a dit, maman, toi, tu me fatigues trop, je vais aller au village. Quand je suis avec toi, je dis, on est tout bête, parce que, voyez, quoi, il croit très bon, j'ai foi en vous. C'est vous qui êtes mes enfants. Et il est pour là, maman. Oui, je suis le fils unique, mes parents. Je foie à mes enfants. Mais c'est pour ça qu'il faut les bénir. Il ne faut pas les bloquer ici. Ouais. Mais c'est pour ça que le vieux, si ça ne va pas. Il dit que
Non, ça va. On arrive. Oui, c'est ce qu'on va. Oui, on va. Donc, il y a des bureaux. Il y a une relation tellement bonne. Mané a parlé de la passée un peu, non. Avec un trésor qu'on est. Il dit quand tu es sorcier, tu fais des mauvaises choses. Quand la mauvaise pensée arrive, tu agis avant. Mais moi, j'aime mes enfants. Et Yabou dedans. Oui, mais Yabou dedans. Mais Yabou dedans. Elle entend de me dire des choses, dit non, laisse. On va, il faut qu'on parte dans le but de vous mettre ensemble. Il y a des choses qu'on ne va pas trop rentrer, ça va. Mais le soir, comme d'autres personnes arrivent, tout compte fait, il faut que ça se règle. Et le vieux, quand les gens seront bénis, ils vont oublier ça. Parce que quand ça ne va pas, comme tu l'as dit là, si ça ne va pas, c'est toi. Ah, mais c'est comme ça, comme tu dis, toi, tu es censé de veiller sur eux, tu leur donnes des conseils. Maintenant que ça ne va pas, mais c'est toi qui le souci. Et tu l'as démontré. Toi-même, tu viens aggraver encore à faire une maudit. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans tout ça parce que je suis là, je suis le réconciliateur. Je ne vais pas trop enflammer votre cœur. Tout compte fait, c'est un père. Il reconnaît sa faute. Et on n'a qu'à prier en quittant ici. Là. Il faut que ça soit du passé. Et puis, dans le but de pouvoir pardonner au papa. Moi, je me bats, moi, je t'abattu. Il faut prendre votre. Parce que tu es malade. Qui a roulé? Oui, parce qu'elle a dit que passer. Bon, mais quand vous envoyez, moi, paye chauffeur. Moi, où je suis, je peux conduire. Oh. Je peux conduire, mais j'ai. Tu veux forcément la voiture, c'est ça? La voiture. Non, tu veux ça? Oui. Parce que j'ai pas le transport. Oh non, c'est. Mais tu es vieux là. Tu veux la voiture? Oui. Bon, faites plaisir, vieux. On va régler ça. Hein? On te fait plaisir. Le vieux en vend ces derniers jours, il veut monter dans votre voiture. Voilà, donc oui. Oui, si, ça sera fait. Je vais aller, je vais aller ici, là, il faut que. Écoute, tu vis bien quand même. Si c'est un cadeau, je vais quand même devant ma porte. Il a une voiture un jour. Il avait une voiture. Très bien. Maintenant, il faut tous les jours les bénir. Non, toujours. Ça va aller. Pas de problème. Ça va. Non, ça va aller. Bon, Aïto. Non, on va régler le soir, le soir. Le soir. Oui, il faut les comprendre, ils sont choqués. Hein. Voilà, allez, vous asseoir. Non, mon client. Voilà, donc, le vieux, allez vous asseoir. Voilà, allez vous asseoir. Changez de place, allez, que je ne parle pas. Ici, c'est comme ça, nous mettons les gens ensemble. Nous faisons un effort pour que les gens puissent s'entendre avec leurs parents. Malgré la gravité, malgré les choses, les gens finissent par s'entendre. Amen. Oui, parce qu'il faut les réconcilier. Ils sont appelés à vivre ensemble. Et quand il me dit à l'oreille, il y a des choses qu'il n'a pas dit, non. Si il dit encore, ça va t'enflammer, ça va venir la situation. Il vaut mieux opter pour la réconciliation. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Si bien un père avec ses enfants, une mère avec ses enfants, c'est le meilleur endroit. On prend le temps de vous écouter et puis on vous met ensemble, on vous réconcilie parce que c'est important. Qu'on veuille ou pas, on est appelé à être ensemble. Qu'on veuille ou pas, on ne choisit pas un parent. C'est vrai, ça fait peur. Donc, dans un premier temps, on est dans des réserves. On a peur de l'approcher, on a peur. Mais je pense que tout ce qu'on peut faire à un parent, c'est lui proposer Dieu. On lui dit, mais voici Dieu, qu'est-ce que tu veux? Oui, je veux être délivré, ben, tu délivres. Mais ça n'est pas dit qu'après, voilà, il faut le laisser. Donc on aura l'occasion, la suite, on aura l'occasion. Comme lui-même dit, il a convoqué tous ses enfants ici. Tous ses enfants doivent arriver ici. Donc on les attend. Et ça, c'est important. Vous avez vu comment il a maudit. C'est pour ça que la malédiction a toujours des effets. Comme il a donné une parole, il a dit, tu vas venir. Ça s'est passé, non? Or, si c'est maudit, on va le contraindre aussi à bénir. Pour que désormais la vie des enfants change avec une action forte de bénédiction. Nos parents, c'est ça. Nous, les Noirs, on est experts en maudit. Or, la malédiction, ça agit toujours. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Petit bien. Il y a trop d'enfants sorciers. Hein? Tu es sorcier? Non, pas la tête. Micro. Tu es sorcier? Oui. Qui t'a donné? Petit. Il y a un petit, on dit que ça s'appelle Petit. On dit? Quelqu'un qui t'a donné sorcellerie, on dit que c'est quelqu'un. Comment il t'a donné? Il m'a donné Riz. Micro. Et puis, il a mis un dessus. Il a mangé.
Et la mère vient. Mais c'est bien. Il y a une belle sorcière braisée et poisson. Il a mangé. Mmh. Maintenant, dans la même nuit, là, il est venu me chercher. Mmh. On est parti. Mmh. Il dit qu'il allait tuer les gens. Mmh. Il s'est allé tuer les gens. Combien? Il a tué un. Mmh. Il dit après encore, quand il a tué un, il dit d'aller tuer encore. Mmh. Tu as tué encore? Mmh. Il dit d'aller tuer encore. Puis il dit tuer encore, tu as tué encore. Mmh. Il dit d'aller tuer encore, tu as tué encore. On compte, non? Elle dit de tuer encore et encore. Donc, on compte. Tu as tué combien tout? Tu as tué là, c'est combien? Il faut compter. 1 derrière 6. Comment tu fais pour tuer? Tu fais comment? Tu vas tuer, non? Tu vas tuer les gens, non? Tu fais comment? Tu vas comment? Tu te transformes, tu vas chez eux, tu fais comment? Je transforme. En quoi? Chat. Ah, chat aussi. Et tu fais comment? Hein? Tu fais comment? Quand tu es en chat, là, tu fais comment? Je fais comme pour aller. Hmm? Je fais comme pour aller. Comment? Et tu rentres dans sa maison? Mmh. Et quand tu fais comment? Il attaque tous les chiens qui sont là-bas. Hein? Et attaque tous les chiens qui sont là-bas. Tous les chiens. Quels sont les chiens? Chien. Hein? Chat. Quand il a les chats, t'attaques. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il dit? Le monsieur que tu vas attaquer, là, les gens, tu vas tuer, là, tu fais comment? Tu fais comment? Pour aller. Hein? Le transport pour aller. Oui, quand tu arrives maintenant, tu fais quoi pour le prendre? Je laisse le groupe et manger la panne. Ah, attaché, puis tu le manges. Mm-hmm. Comment tu fais? Mm-hmm. Hein? Il mange. Comment tu veux? Il mange. Comment? C'est doux. C'est doux. Mmh. Tu donnes beaucoup. Mmh. Tu donnes beaucoup. C'est doux. Tu fais quoi? Bon. Et pour nous ici, là. Tu manges en haut là-bas. Bon, et ici, nos photos à Kiké, Gaba, là, tu fais quoi ça? Donc tu manges deux fois. Pourquoi? Et tu as chié 6 personnes. Mmh. Ils t'ont fait quoi? Tu as gâté qui? Il a gâté un petit. Et suis travailler là-bas. En tant que servante. Mmh. Ah, tu serais maltraité d'enfant. Et puis qu'est-ce que tu as? Il y a un chien de son manger. Hein? Il y a un chien de son. Comment tu as fait? Mmh. S'il vous plaît. Il y a un chien de son. Hein? Il y a un chien de son. Où? Dans manger de la tétille. Elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. Elle mange. Et dans sauce là, mmh. Graines, mmh. Chichi, diarrhée. C'était pour quoi? Mmh. Quand tu chies, c'est pour quoi la tante? Rien fait. Bon oui, quand tu as chié, la tante n'a pas donné quoi? Elle n'a rien donné. Non, quand tu as chié, là, c'est pour rendre tante quoi? Maladie. Quelle maladie? Elle est tombée malade. Mm-hmm. Elle va mourir. Je vous dis qu'il faut prier, on va les manger. On a compris? Vous priez pas, vous lavez les mains, mangez. Tout est sanctifié par la prière, dit la Bible. Vous savez, nous prions. Il faut ouvrir ta bouche, tu pries. Tu sais pas? Amen. Sanctifie ce plat au nom de Jésus. C'est tout. C'est tellement simple. Et le plat est sanctifié. Quand tu fais comme ça, là, le plat même les devait envoûter même. Avec un signe de pouvoir. Pour parler, pour dire je désenvoûte le plat. Hein? Le plat est sanctifié dans le nom de Jésus. C'est fini. Et tu as gâté qui encore? Maintenant, je suis allé travailler au prochain petit. Il y a pissé de son manger.
Tu as pissé. Il ne te voit pas. Non, quand tu pisses, on ne te voit pas. Comment tu fais? Il m'abaisse. En esprit, on ne te voit pas, tu es invisible. Il dit pisse. Quelle sauce? Gombo. Elle a touché la sauce. Elle a un placali. Il faut faire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui a eu l'argent. Ton pipi là, c'est, ça a détruit l'argent. Hé, hey, non, tu as pissé. C'est assez dangereuse. Hé, hey, maman, viens faire vacances chez moi. Donc, vacances, mais avec vacances, mais vrai, vrai. Quelqu'un qui te vacances, attends, t'es foutu, t'es mal barré. Et un jour, à la sorcellerie. Moi, ça m'a beaucoup aidé, hein, les aveux, ça m'aide beaucoup. Et depuis, j'ai compris l'existence de la sorcellerie. Ça m'aide dans mon élan. Je n'en veux même pas aux gens. Quand quelque chose de bizarre, j'attaque ça dans la prière. Et tu as fait quoi encore? J'ai senti encore. Ah. Mais oui. Tu es allé là-bas encore. Il y a mis crachat de son manger. Ah. Tu chies, tu pisses. Un champ de stratégie, tu mets un crachat. Comment t'as fait? Crachat, t'as fait comment? Hein? C'était pourquoi? C'est pourquoi? Donc il y a des maladies qu'on appelle les maladies mystiques. Vous donnez une maladie, c'est ça? Ok. Et après? C'est fini. Donc toi, tu es méchante? Hein? Tu es gentille. Quand tu pisses dans ça, tu chies dans ça, tu es gentille. Tu es méchante. Pourquoi tu fais ça? Eh? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu donnes maladie aux gens? Viens de l'homme, c'est doux. Hein? C'est doux. Toi, tu manges quoi? Quand tu donnes bien, tu t'envoies là. Quelle partie tu manges? Quel morceau? La viande là, de l'homme là, on te donne quelle partie? Tu manges quel morceau? Tu manges viande non? On te donne quoi? Quand tu viens, on te donne ta part là, c'est quoi? Comment on va prendre ça? On te donne rien? On te donne pas? Tu manges quoi? Oui, l'homme là, son quelle partie? Pieds, cœur, tête, bras. Tes pieds. Ah, comment on va? Morceau parti. La seule qui l'échappe. Ses pieds, tu manges. C'est doux. Tu croques les os. Qu'est-ce que tu veux? Délivrance. Pour faire quoi? La délivrance, tu as appelé manger là-bas. Jésus. Sors. L'esprit de la sorcellerie. Sors d'elle. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus. Quitte son corps. Détruis ta présence dans ce corps. Amène-la la délivrance. Nous tenons debout pour prier. Nous levons tous les mains. Nous demandons au Seigneur de nous bénir et de nous délivrer. Prions ensemble, Seigneur, ce matin. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Nous te prions, Seigneur, dans ta souveraineté, dans ta souveraineté,
pardonne chacun d'entre nous. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ton intervention. Nous comptons sur ta main. Viens et agis puissamment, Jésus-Christ. Accorde-nous, s'il te plaît, la délivrance. Oui, nous comptons sur ta main. Merci de nous restaurer ce matin. Et merci de nous délivrer ce matin. Nous comptons sur ta grâce. Et nous comptons sur ta main. Continue de prier. Demande au Seigneur de venir à ton secours. Demande au Seigneur d'opérer le miracle dans ta vie. Demande au Seigneur de t'aider dans le combat que tu mènes. Prie. Oui, prie. Seul Dieu va te faire sortir de cette situation. Seul ton Dieu va t'aider à changer de situation.